Bonjour les amis, je vais vous faire une révélation et qui me fait rire d'ores et déjà. C'est-à-dire que je vais vous dire que vous êtes en train de vivre dans l'illusion, vous êtes en train de vivre dans la tromperie, vous êtes complètement à côté de la plaque. Ou autrement dit, en jargon de rue, vous êtes en train de marcher à côté de vos babouches, si vous me comprenez. Vous êtes en train de vivre dans l'ignorance parce que vous ne savez pas. Bien entendu, il y a ceux parmi vous qui savent ce que je vais dire, mais la majorité, vous ne savez rien. Je parle de Google, je parle d'Internet, je parle de tout ce qui est comme business sur Internet. Tout le monde presque se trompe. Au début, c'était Google, un ogre qui est venu, qui a avalé tout Internet, il l'a mis dans son ventre, et puis il est devenu le roi du monde. À ce moment-là, c'est normal, tout le monde devait passer par ses sites ou ses blogs. Et puis, le temps est passé, beaucoup d'eau est passée sous les ponts, et les choses ont changé. Bien entendu, ils ont commencé par changer avec les réseaux sociaux, grâce à Facebook, et puis Messenger, etc., Snapchat, etc., etc. Et ça a complètement bouleversé la donne. Beaucoup de choses se sont glissées entre les doigts de Google. Mais Google, intelligent, il va acheter YouTube pour quand même s'armer avec lui pour contrecarrer tout ce qui est réseaux sociaux autres que le sien. Donc YouTube s'est spécialisé complètement dans la vidéo, alors que Facebook, bon, petit gamin qui vient au monde et puis qui est complètement dans des hypothèses et qui se trouve complètement, qui s'est mélangé complètement les pattes et puis il a fait tout et rien, et vous connaissez l'histoire de Facebook, et puis vous avez certainement vécu, c'est-à-dire ou bien vous travaillez pour rien du tout, ou bien on se moque de vous, de la part de Facebook, particulièrement, bien entendu, et les autres. Ce qui veut dire que tous ceux qui devaient passer par les sites de Google ont changé de chemin. Ils sont allés directement dans les réseaux sociaux et pour cause. Les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est normal, c'est tout le monde est là, tout le monde en train de parler à tout le monde, en vidéo, en chat, alors que les sites, particulièrement, ils sont tous en texte. C'est-à-dire, il y a des articles, puis ils se prennent pour des professionnels, et puis il y a tellement de sites qui sont différents que vraiment il n'y a rien qui ressemble à rien sur entre les sites, sauf bien entendu un peu les grands journaux qui ont la même systématique de présentation de leur plateforme. Ok, vous avez compris. Donc tout le monde, c'est normal, est allé faire connaissance avec des amis sur Facebook, sur Messenger, sur Instagram, sur... Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les marketplaces, les places de marché, là où on vend beaucoup de choses, c'est-à-dire où tous ceux qui vont, c'est pour acheter. Je parle de, bien entendu, de Amazon, de Alibaba, etc., etc., etc. Il y a plein de, bien entendu, de marketplace. La vente par affiliation, la vente de produits, dropshipping, la vente de logiciels, la vente de matériel, tout, tout, tout. Même les livres, etc., etc. Voilà. Ce qui veut dire que Google, avec ses sites, il s'est trouvé de plus en plus marginalisé. Mais il tient grâce à YouTube. YouTube, la particularité de YouTube, si vous ne le savez pas, c'est que c'est un réseau social, mais c'est aussi un moteur de recherche puisqu'il est avec Google.
Donc, il utilise la puissance de Google dans la recherche, parce que l'autre, il a mis tout le monde dans son ventre, mais le système avec ses sites, ça ne marche pas autant que les réseaux sociaux. Et c'est normal qu'il y a énormément de monde qui vont vers les réseaux sociaux. Il y a beaucoup plus de monde sur les réseaux sociaux que sur Google. Qu'on soit d'accord là-dessus. Ce qui veut dire que, par exemple, pour ceux qui croient qu'ils doivent absolument avoir passé par un site, un blog, ou ils doivent absolument avoir un site, ben, ils se trompent. C'est pour ça que j'ai commencé mon introduction comme ça, que tout le monde est en train de vivre quelque chose qui n'est même pas vrai. Moi, je considère que, franchement, je considère qu'un site est nécessaire seulement pour stocker ses affaires là-dedans. Parce que c'est le lieu où on peut être sûr qu'on ne va rien perdre. Avec les réseaux sociaux, on peut être complètement banni de la place. Et c'est arrivé à tout le monde, presque. Donc, c'est la seule raison pour l'existence d'un site. Le site, bon, on va mettre tous ses articles, et puis bon, il va... Mais le site, à vrai dire, il n'apporte pas de l'argent directement. Il a besoin d'aller quand même s'appuyer sur d'autres. Bien entendu, et bien, les gens qui vont le contacter, mais la majeure partie de ces gens, ils passent par les réseaux sociaux. Ok ? Et ils passent par autre chose. Bien entendu, je ne parle pas des sociétés en général, mais je parle par exemple tous ceux qui font du business avec les particuliers, c'est grâce aux réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est pour ça que partout dans les sites, il y a à côté, il y a les réseaux sociaux qui sont là, puisqu'ils doivent avoir absolument un lien avec eux. Ok ? Et puis, il y a quelque chose de plus extraordinaire encore, que ni les réseaux sociaux n'ont, ni Google n'a. C'est-à-dire les sites. Ils n'ont pas ça. Ils doivent passer par des outils. Alors les outils, c'est des institutions, si vous voulez, qui vous prennent en charge entièrement, c'est-à-dire c'est grâce à eux, c'est une plateforme complètement en dehors des réseaux sociaux et en dehors de Google, des sites, qui une plateforme tournante aussi, qui va agir pour vous aller chercher, qui a les moyens pour aller chercher, qui vous donne les moyens pour aller chercher du trafic, des gens que vous devez mettre constitué en tant que client chez vous, des prospects. Et puis, enfin, toute la messagerie qui va se passer entre vous et entre les prospects, les relances, les expositions, vos expositions, vos pages de vente, tout le tralala, la publicité et tout ça, passe par cette plateforme. Et ces plateformes sont spécialisées. Le meilleur, vous le connaissez certainement, c'est ClickFunnels. Et celui qui se trouve en France, qui est maintenant connu en France, c'est System.io. Bien entendu, il y en a d'autres. Et il y a aussi d'autres petites institutions moins grosses qui s'occupent rien que pour aller chercher le trafic et assurer la correspondance. Mais avec les gros systèmes, comme par exemple... ClickFunnels et System.io pour la France, c'est la comptabilité, tout, c'est-à-dire qu'ils couvrent tout. Avec eux, c'est comme si on a une société, c'est simple. Vous êtes seul, et vous travaillez seul, dans votre cuisine peut-être, ou dans votre lit, et puis vous vous organisez pour que vous puissiez quand même envoyer des trucs à tout le monde. Tout est automatisé, il y a
quelqu'un qui parle de ce système en tant que lui, il est cloné, c'est-à-dire vous allez travailler avec mon clone, c'est-à-dire moi, je suis pas là, je suis en train de voyager, et puis vous allez travailler avec mes clones à moi, et mes clones à lui, ses clones à lui, ce sont carrément ces outils. C'est sa programmation qu'il va installer une fois pour toutes et puis il s'en va et tout se fait automatiquement. Quel que soit le problème, il n'y a pas une âme là-dedans, il n'y a rien que des robots qui travaillent pour vous, rien qui vous coûte rien, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de bulletin de paie, il n'y a rien du tout. Voyez ? Donc vous pouvez être tout seul, mais avec virtuellement une trentaine de personnes avec vous. Vous voyez comment ça marche. Donc tout ça, ça échappe à Google, tout ça, ça échappe bien entendu aussi aux réseaux sociaux. C'est des plateformes comme ça qui sont dans la gestion, la gestion, il y a le management, il y a la comptabilité, il y a le commercial, il y a tout est là-dedans. Voilà, très bien. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que la vidéo là, il va concerner un certain nombre, je ne me rappelle pas, peut-être 71 tutos que je vous envoie concernant système IO parce que c'est complètement en français. Le meilleur qui existe au monde, c'est ClickFunnels, c'est un très 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 gros truc. Mais malheureusement, tout est en américain, donc il faut être quand même connaître l'anglais pour pouvoir travailler sur cette plateforme. Et déjà, techniquement, c'est compliqué. Le système IO, c'est beaucoup plus souple. Et puis, c'est en français. Ça existe aussi une version en anglais, mais ça existe aussi en français. C'est en français aussi. Voilà. Donc, quand vous voulez, par exemple, vous lancez dans le business sur Internet, il est complètement faux que d'aller acheter. Moi, je vous le dis, hein, je vous le dis, c'est parce que moi j'ai acheté énormément de formations qui ne m'ont servi à rien. Pourquoi? Parce que vous allez acheter une formation. Vous allez regarder ça si vous avez vraiment envie, parce que la plupart des gens, ils abandonnent, et ils classent ça, ils payent et puis ils ne font rien avec ça. Tout le monde a constaté ce phénomène. Alors, donc ça ne sert pas à grand chose que d'acheter des formations. Vous allez me dire que, alors comment on peut faire? Bien entendu, le gros problème, il y a plusieurs problèmes à ce machin-là. C'est-à-dire que vous allez acheter, vous n'allez rien comprendre parce que vous n'êtes pas initié dans le jargon web marketing, ok? Il y a tellement un jargon impossible, hein? Il faut du temps pour que vous puissiez savoir ce qu'ils disent là-dedans. Puis, il y a l'histoire de nos formateurs, malheureusement, ils sont professionnels, d'accord. Il y en a qui sont très très puissants. Je vous assure que ceux qui sont pédagogiquement préparés pour vous enseigner des choses, des formations, ils sont rares. C'est malheureusement comme ça. C'est pour ça que quand ils, par exemple, vous achetez une formation et que vous allez mettre votre nez là-dedans, la première des choses que vous allez constater, c'est qu'ils parlent trop vite. Et une leçon, un cours, normalement, il faut lui donner un ton lent et qu'on explique tout petit à petit, doucement. Parce que les étudiants sont comme les enfants, ils ne comprennent pas tout. Ok ? Mais les formateurs, la plupart du temps, ça turbine, hein. C'est la Formula One quand il parle. Donc, il y a cette part. Deuxième chose, c'est quand ils, par exemple, quand ils vont vous montrer, par exemple, sur leur démonstration, mais il faut arrêter la vidéo à chaque seconde pour savoir où est-ce qu'ils ont appuyé ou pas. Parce que ça va très très vite, on ne sait même pas ce qu'ils font.
Ok. Ça, malheureusement, c'est des trucs dont on ne parle pas. Et moi, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai évoqué l'histoire des formateurs qui parlent de, il est préférable que le business passe s'appuie sur le trafic qualifié, c'est-à-dire il faut qu'ils cherchent des gens qui veulent acheter, pas n'importe qui. Et moi, dans la vidéo, j'ai développé une petite théorie. J'ai dit, mais est-ce que le trafic, est-ce qu'il peut trouver des formateurs qualifiés aussi pour lui apprendre convenablement? Moi, ben, je ne vais pas cacher, je vais annoncer un nom. Il y en a trois, quatre que j'ai connus qui sont très très bien. Mais par exemple, pour Tammy Cabbage, qui fait des finances, l'économie et le trading, c'est un très bon professeur. Il était d'ailleurs professeur agrégé en France, dans les universités, et il se démarque par rapport aux autres. Mais les autres, malheureusement, ils ne sont pas faits pour. Il faut qu'il aille se former pour l'apprentissage d'abord. Donc, ça, c'est des freins. C'est pour ça que nous, quand on reçoit des formations, on ne comprend pas, on trouve des freins, il n'y a rien. Donc, automatiquement, bon, on cède, on abandonne et puis on passe au suivant. Il faut qu'il soit mieux que le premier, ok? Mais malheureusement, moi, je vous assure, j'ai une trentaine de formations. J'en ai foutu rien à partir de ça, parce qu'il y a toujours des trucs. Voilà, ça c'est le problème. Mais bon, dernièrement, enfin, ça fait quand même une année ou plus, où j'ai découvert que le plus gros frein, finalement, c'est que quand on absorbe, quand on apprend une leçon, un cours complètement, qu'on va le comprendre, quand on le comprend, quand on va s'y mettre, ça passer à l'action, comme on dit, là, il faut passer par des outils. Et les outils, ça coûte de l'argent, ça coûte un apprentissage beaucoup plus coriace que les formations que vous avez achetées. Ce qui veut dire que tout l'énergie que vous avez dépensée dans l'apprentissage des formations, vous voulez passer, vous allez vous dire, ça y est, bon, voilà, je suis à point, on va commencer à gagner de l'argent. Pas du tout, il faut passer par les outils. Et les outils, c'est pas de la blague, parce que s'il faut être entrepreneur, voilà, les outils. Moi, je pense réellement qu'il faut absolument passer par les outils une fois, je vous assure. Une fois qu'on a maîtrisé l'histoire de l'outil, le reste, il devient très très facile. Parce que la formation ne canalise pas l'outil. C'est-à-dire, l'outil ne passe pas à travers la formation. C'est plutôt un frein, c'est indigeste pour la formation. Mais le contraire, c'est-à-dire que si vous maîtrisez un outil, à ce moment-là, toutes les formations, quelles que soient, dropshipping, affiliation, tout, il passe parce que l'outil, il absorbe tout. Et puis, il est comment, opérationnel, mais vraiment à l'extrême. Rien à voir là, vous êtes sur le plan professionnel et opérationnel. Vous comprenez maintenant? Donc, moi, je conseille à tous ceux qui n'ont pas encore pris la décision de prendre, par exemple, des formations, qui ne s'engagent pas. Ils peuvent suivre, bien entendu, regarder et s'imprégner de tout ce qu'on raconte pour comprendre au moins ce qu'ils disent. Ça devient qu'ils prennent leur temps. Mais il faut que leur premier investissement, qu'il passe par un outil. Ça, c'est obligatoire. Parce que quand on a l'outil, bah, si vous avez par exemple un char, vous pouvez partir en guerre. Mais si vous avez seulement des idées,
C'est ça, parce qu'on finalement, on vend des idées. C'est des trucs, bon, il y a beaucoup de similarités entre tout ce qu'on nous vend, et avec des petites formules différentes et tout ça, mais tout, c'est de la théorie, et d'autant plus que cette théorie, elle est obsolète au bout de 2 jours, quoi. C'est-à-dire avec tous les changements, les logiciels qu'on crée, les plateformes, les templates, les machins, tout ça, ben, les idées, s'évaporent. C'est-à-dire il ne faut pas attendre, parce qu'il y a eu beaucoup de progrès dans tout ce qui est informatique, tout ce qui est internet, tout ce qui est... Voilà. Maintenant, c'est beaucoup plus facile de réussir en tant qu'apprenti, mais c'est plus difficile parce que c'est devenu facile. Voilà, vous voyez, tout le monde maintenant est mieux formé qu'avant, donc il y a beaucoup de concurrence maintenant. Le gros problème, c'est la concurrence. Mais pour quand même maintenant, et pour quand même gagner du temps dans l'apprentissage, il faut passer par les outils, et après on va chercher n'importe quelle formation, on peut l'appliquer, il n'y a aucun problème. Vous voyez, bien entendu, je n'entre pas dans d'autres détails qui sont aussi pénibles, mais j'ai brossé ici un tableau qui est assez clair. Maintenant, je vais vous présenter, moi, je suis abonné chez Système.io. Mais comme c'est un peu trop technique, moi j'ai fait ma méthode, j'ai eu ma méthode, j'ai pris énormément de tutos, de formations offertes par tout le monde, et je vais vous mettre ça dans un PDF que vous pouvez télécharger chez vous, et puis vous pouvez regarder à n'importe quel moment, rien que Système.io, expliqué par X personnes. Ok, maintenant on va passer pour vous montrer quand même à quoi ressemble le PDF, parce que c'est toujours, il y a un titre, il y a un lien, et le lien vous cliquez dessus et puis vous êtes sur YouTube, c'est aussi facile que ça. Ok, maintenant on passe à mon écran. Ok. Bon, voilà, nous y sommes, et là, bon, vous pouvez lire 71 formations offertes sur système.io. Ça, c'est le PDF que vous allez recevoir. Voilà, toute la liste est là. Bien entendu, il y a même des trucs qui sont suivis, hein. Par exemple ici, c'est la formation numéro 0, numéro 1, etc. Mais les autres, c'est chaque truc est à part, ok? Voilà. Et normalement, c'est tout ce qui est en bleu, c'est le lien sur lequel vous pouvez, par exemple, là, formation. Et il vaut mieux qu'on tombe sur YouTube. Voilà. Ça, c'est Système.io. Tuto complet, page de capture, de remerciement et envoi d'e-book. Bien entendu, vous n'allez pas entendre ce que la dame dit, mais vous avez une idée. Bon, je suis obligé de toucher ça, de recentrer. Voilà. Mais elle est en train d'expliquer tout ce qu'il y a là-dedans. Et il y a de grandes chances, si vous allez ici sur la flèche, la barre là, vous pouvez trouver une autre sur Système.io. Voilà, le gars ici, il a une formation de complète. Alors celui-là, c'est complet. Voilà, pack. Je clique dessus. Ça, c'est le prix. Lui, il commence déjà par le prix. Vous voyez, c'est le prix de départ. Je travaille avec ça. C'est 27€. Le deuxième, qui normalement là où il y a les webinaires et tout ça, c'est 47€ par mois, bien entendu.
Et le plus cher, c'est 97 euros. C'est beaucoup plus complet. Et ClickFunnel, chez les Américains, il commence à 97 euros. Alors que chez Systemio, il a quand même un prix beaucoup plus au niveau des Français, des Africains, tous les francophones. Quoi. Voilà. Et puis, l'avantage ici, c'est que vous pouvez payer carrément la mensualité et vous pouvez arrêter à n'importe quel moment. C'est clair et net. Alors qu'avec ClickFunnels et tout ça, il faut au moins payer la moitié de l'année. Et c'est très cher. Franchement. Voilà, et le gars, il est en train d'expliquer ici. Je vais passer. Et lui, il a fait carrément tout le guide complet en 2020. Comment utiliser Systemio en 2020. Voilà. Et il me donne une phrase. Moi, j'aime bien celui-là parce qu'il est vraiment correct, le gars. Maintenant, on revient à mon. Mon PDF. On revient à mon PDF. Je suis désolé parce que je n'ai pas bien aligné tout ça. Et voilà, bon, je déroule tout ça pour vous montrer qu'il y a beaucoup de trucs. Je vais lire les titres. Alors, comment vendre des formations par abonnement avec Systemio. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur les formations. Lui, il peut vous vendre les formations, mais les formations, c'est difficile qu'il vende le Systemio parce que bon, c'est un outil, c'est carrément des cours. Voilà. Affiliation Systemio, voici mes commissions. Il y a quelqu'un qui montre celle de ses commissions. Affiliation Systemio, voici mes commissions, bilan mars 2020. Bloguer avec Systemio, paramétrage du blog, il gère aussi les blogs. Les meilleurs templates Systemio en français. Bien entendu, quand j'ai dit tout à l'heure que les sites ne vendent rien, c'est parce que c'est ici où tout le monde peut vendre. C'est là où on peut installer, par exemple, le système de paiement, de facturation, de remboursement et tout ça. Alors que le site n'est pas outillé pour ça. Sinon, il va faire appel quand même, il va intégrer les outils chez lui. Et puis, quand on va gérer le site, les réseaux sociaux et tout ça à travers un site, ça devient vraiment très très casse-tête. Le problème, par exemple, avec pour vous donner un exemple sur les sites qui sont en train de perdre un peu de force de plus en plus, c'est WordPress qui prend carrément le quart peut-être de tout ce qui se vend, tout ce qui se fait à travers le monde. Eh ben, avant il était simple, maintenant il est devenu très 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 compliqué, tout le monde s'en plaint. Parce que bon, il y a des bugs, il y a énormément de choses, il faut carrément prendre quelqu'un pour ne gérer que les problèmes de WordPress. Et sinon, ben, les gens, ils ont leurs problèmes, ils gèrent leurs problèmes, et nous, on va travailler chez eux comme une là où on travaille. Voilà. Donc là, bon, nouvelle fonctionnalité complète de blog prêt à l'emploi, il y a énormément de choses. Vente pyramidale, ça, il parle du MLM, quand l'affiliation cache une arnaque, il parle de Systemio et il parle de ça. Formation Systemio 2.1, tunnel de génération d'audience, ça, vous n'allez pas trouver dans les sites. C'est dans les outils. Et les outils, c'est comme si vous entrez dans une usine, il y a tout pour faire quoi que ce soit. Alors que dans les formations, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Voilà.
c'est très très particulier, surtout qu'il parle de niche, de sous-niche. Par exemple, quelqu'un qui veut vendre rien que des plumes, du duvet, par exemple, de dinde, alors ça n'a aucune espèce de ressemblance avec un outil. Vous comprenez maintenant? Voilà. Et puis, comment utiliser System.io, comment créer des formulaires, ça on peut le faire dans les sites, mais ici c'est beau, ils sont beaucoup plus costauds. Formation facile, System.io, comment créer des tunnels de vente, ça n'existe pas chez les sites, etc., etc., voilà. Je vous montre ça, et puis voilà. Ok. Ben, j'espère que ça a été un peu, je vous ai bousculé, je suis j'ai marché un peu sur la bande à l'extérieur de mon itinéraire à moi, mais je vous dis la vérité. Si vous voulez gagner du temps et gagner aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, apprenez à d'abord à maîtriser un système. System.io, j'allais dire, un outil où il y a les ventes, il y a le trafic, il y a la comptabilité, il y a tout. Donc, avec ça, vous pouvez exécuter toutes les choses qui viennent des formateurs. Ok? Voilà. Ben, j'espère que ça a été quand même assez. Au niveau de l'information, ça a été aussi un peu assez utile. Et ben, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut bien choisir son angle d'action. Okay?